Maillot traditionnel, le rouge et le noir, et la Sec Mimosa, à cause d'une forte pluie, la Standard menait 1-0. Et selon les infos que j'ai reçues juste avant de prendre l'antenne, le match devait être repris aujourd'hui même au stade Biakaboga de Gagnoua. On va donner la compo de la Sec Mimosa qui aligne Sangare Badra Ali, Max Sekere, capitaine d'équipe, Douama Amark, Ablako Yao Im, Zakri Kraire, Balou Adriel Davila, Diarra. Gour est venu avec Kwadio Sergino, Yao Kwasi. Et ça, c'est un problème à résoudre. Et c'est parti pour cette première partie du match à Sec. Aziz Aban, on va en donner au grand désarroi des actionnaires, ce qui a soulevé le courroux. Attention à cette action, Zakri, il a pris rendez-vous avec la surface de réparation et il ne marquera pas. Zakri Kaïré pour l'une de ses reprises, on voit Zakri, voilà le centre et la reprise au-dessus dans le ciel de Marcori. Ah, que c'était bien joué et la... le temps est humide, on va voir ce tête-tête et but de Zakri Kaïré. Je ne sais pas si c'est Zakri ou c'est Sankangouté Adama, mais au moins, il y a plus de la Sec Mimosa en cette 33e minute. Corner bien levé, mais sabre fort, tête décroisée au premier poteau. Et voilà, on va revoir l'action, la tête, mais sabre fort. Et c'est la tête de Kangouté, si je ne m'abuse. Zakri, c'est Mensa Brefo, contre-attaque pour la Sec Mimosa. Balou Adrien Davila fait l'appel. Il a choisi de jouer avec Guama Amark. Guama Amark, le petit ballon, le contrôle de la poitrine. Et il ne pourra marquer. Balou peut se dégager. Bien joué. Attention, la frappe, elle est décroisée. Il ne pourra marquer. Deuxième journée de fête. Attention, c'est bien tiré. C'était bien, bien envoyé. Le banc de la Sec s'est levé. On va certainement revoir l'action. Attention, on se dégage comme on peut. Et sur ce, c'est terminé ici à Robert Champroux. 1-0 pour la Sec Mimosa. Et les Mimosa, les supporters de la Sec Mimosa retiennent.